Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Peracia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7, les amis de notre aventure 100% sur Sonic Frontiers. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de cette incroyable aventure sur Sonic Frontiers, les amis. Alors, au cas où, petite chose à vous dire avant de commencer la vidéo, il y aura du coup deux épisodes cette semaine en comptant celui-là de Sonic Frontiers. Donc il y en aura un qui arrivera un poil plus tard, normalement, si je dis pas de conneries, il arrivera dimanche, voilà, 8h30 du matin. Voilà, donc allez voir, c'est important. Et donc aujourd'hui, tout simplement, on continue notre aventure sur Sonic Frontiers. Donc souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement géré mais un niveau en first try, honnêtement, en rang S. On avait vraiment ultra géré, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait quelques petits challenges, on va dire ça, petits défis, dans lequel on avait un petit peu plus dévoilé de la carte. On avait également parlé à Amy. Et donc du coup, aujourd'hui, on s'était arrêté ici, tout simplement. Donc voilà, donc on doit maintenant aller en direction. Alors, je pense qu'on va directement aller là. Vous savez quoi, après, j'aimerais bien débloquer. Bon, ouais, non, d'abord, oui, on va aller là. Parce qu'on a quand même le truc nécessaire pour aller parler à cette personne. Donc on va directement la localiser. Voilà, la localiser. Voilà, donc elle est là-bas. Donc on va aller là-bas directement. Donc j'espère, écoutez, que vous allez bien. T'es sérieux, tu fais de ma gueule ou quoi? C'est ici qu'il faut aller. Merci. Et non, du coup, c'est parti. Allez, let's go! Ça va beaucoup plus vite, hein! Tac. Merci. Ah! Oh écoutez, la frénésie, c'était pas volontaire, mais. Alors, si je dis pas de conneries, voilà, on se souvient des trucs. Voilà. Donc, vu qu'on a zéro cœur nécessaire, donc, enfin, on peut la débloquer. Bon, qu'est-ce qu'elle va me dire, putain? Oh, ça coûte cher! Arrêtez! Ah, tu apparais vraiment partout. Tu sais, je ne crois pas qu'on se soit présenté. Je m'appelle Sonic. Je sais qui tu es. Ton âge, tes données biométriques, tes faiblesses. Tu vis pour la vitesse. Tu es impatient et impulsif. Oh, l'une de mes femmes. Mais je ne sais rien de toi... Je ne partage aucune donnée personnelle avec l'ennemi. Comment ça, ennemi? Ah, tu vois, le jour où elle va se réveiller, elle va nous défoncer notre grâce, on va rien comprendre. Ok. Ok. Donc écoutez, on y retourne. Let's go! Bon, on va beaucoup plus vite. Heureusement qu'on a amélioré la vitesse quand même un petit peu. Hein. En fait, finalement, en traçant, on va... Ah, mais on aurait pu tracer tout à l'heure. Bon, j'ai pété les ponts, tant pis. Hop, ah. Allez. Ok. Boum, 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 boum. Ok. Oh, t'es mort, là, hein. Hey, motherfucker. Ça c'est bien ça. On en a tellement besoin. Bon du coup les amis, c'est bon, on est de nouveau là. Du coup on va pouvoir avancer. On va aller directement sur la prochaine énigme pour débloquer un petit peu de la carte, hein, qui est là-bas. Fourteen. Et celui-là on va le faire dans l'ordre. 10. Donc il faudrait aller à 11 plutôt. 11, il est pas très loin à mon avis. Bon finalement c'est pas grave. Si on le fait pas très dans l'ordre, c'est pas dramatique en soi. Pourquoi? Ah, il faut vraiment attendre de nuit. Bon, on a réussi. Ah, regardez. Ok, je ne comprends, je crois. Première et deuxième. Ok, en fait, il y a des trucs où il faut attendre de nuit quand même. Hein. Mais je suis abruti, hein. Eh ben voilà. On l'a fait. Bon, elle était easy. Oh, le petit fragment de... qui permet d'augmenter, à mon avis, la défense, je crois. Oh, une autre partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça ressemble à un poisson. Ok. Bon, ça ressemble à un poisson, mais on fait comment pour y aller? Oh, what the fuck. Salut, toi. Attention.
L'électricité. Ok. Bon, je pense que le dernier, ça sera bon. Elle était morte là. Voilà. Merci pour les points d'XP. Alors, du coup, en fait, on dirait qu'on peut aller là-bas, mais what are you doing? Comment? Quoi, où là? Ok, on va tout là-haut. What? Ok. On va faire attention. En fait, faut aller de truc en truc, en fait. C'est très intelligent. D'accord. 2, 3, 4. C'est génial! On a réussi. Oh oui! Plein d'XP, des trucs qui permettent d'améliorer tout ce qu'il faut. Hein. Ok, donc là il y a un petit coffre. Un petit trésor. Oh, la petite clé qui très enfin, qui est fort sympathique. Ok. C'est allé un petit peu trop vite. Alors, je veux pas déclencher le boss maintenant. Hein. Ah, d'accord, je me suis trompé. Là, c'est bon. Et maintenant, on continue tout droit. Alors, il faudrait que j'arrive quand même un petit peu à sauter. Hein, de temps en temps, ça peut être bien. Attendez. Oh, en plus, il y a le truc qui me nargue là. C'est bon, on a réussi. Ok. Mais attendez, on est dans un endroit pas prévu par le jeu pour le moment. On est un peu trop avancé. On va revenir un petit peu en arrière. Parce qu'en plus, il y a des trucs un peu de partout. Ah, d'accord, le camo. Oh oui, le camo. Le KO. Non, le KO plutôt. Émeraude est là. Deux, trois. Tada! On aura réussi. Alors, je sais pas s'il y en a un nombre illimité des petits trucs à trouver là. Eh ben. Ok. Alors, on est où? Ok, donc il faut aller là. On va mettre ça là. Mais c'est un jeu dans lequel il faut tellement tout explorer de partout que. J'aurais même pas le voir le. Ah, il est là-bas, d'accord, en fait. Je viens de le voir, c'est bon. Le bâtard. C'est vraiment... Bon. Ok. On va le finir. Allez. Alors, je vous avoue, un peu plus de force aurait été peut-être un poil mieux. Ok. Bon, je crois que c'était mort, là. Voilà. Tu me donnes quoi? Oh bah oui, merci. M'en faut tellement. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, alors attendez, s'il y a ça, c'est pas pour rien. Ah! C'est pas volontaire ça. Hein. Oh, allez! Attention. Comment ça, astuce? Oh, le bâtard! Le bâtard, il m'a fait peur! C'est enflure! Hey. Bon, en fait, faut comprendre, c'est quoi ce truc? Il faut faire quoi avec ça? Non, mais non, mais non. Mais non, fais pas ça! Non, 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 non! Non. Oh mon dieu, on va y arriver. Bon, là, il faut comprendre, c'est quoi ce truc? Comment on fait? Genre, il faut faire ça? Ah, ok. Un anneau. Et il faut faire quoi avec ça? Ah, je viens de comprendre, il faut passer la balle là dans le truc, c'est ça? Ah, je viens de comprendre. En fait, il faut bien viser, quoi. Eh ben voilà. Deuxième défi. Le petit truc. On débloque du coup un peu plus de la carte. Avec Amy à côté en plus. Ok. Alors déjà, il y a plusieurs choses à penser parce que il y a...
on a vu que lui... Bon, lui, ça sera certainement... On ira vers les fins d'épisode à chaque fois vers eux, parce que c'est très relou, sinon... Les gars, ouais, bon, on va plutôt faire ça. En fait, ça sert à quoi? Ouais, ça nous amène là, quoi. Alors, du coup, la prochaine destination. Bah, vu qu'il y a Amy à côté, autant... Bon, je suis désolé, toi, t'es chiant. Attention. Allez. Ok. The last one, à mon avis. Hey, hey. Alors, du coup... Bah, vous savez quoi? D'abord, on va faire le KO Emerald. Donc, zéro clé nécessaire pour le moment. Enfin, on a toutes les clés pour le moment. Mais il y a tellement de choses dans le jeu. Déverrouiller avec 7 clés d'unité. Putain, ça coûte cher! T'as nous. Est-ce qu'on débloque un truc majeur? Pas du tout. Ok, Amy, on peut... Quelque chose me dérange au sujet de ces ruines. On est là simplement parce que Tails a détecté que les Chaos Emeralds étaient attirés ici, exact. Et là, je trouve des clés numériques et des tours de confinement faites sur mesure... Pas mal de bugs en haut à droite. Comme si tout ça avait été construit pour elle. Les ancêtres auraient utilisé les Chaos Emeralds par le passé. On sait que c'est le cas de certaines civilisations anciennes. Oui, mais ces groupes essayaient de s'en servir. Là, il s'agit uniquement de les contenir. Ils savaient peut-être quelque chose qu'on ignore au sujet de leur pouvoir. Même après toutes nos interactions, les Chaos Emeralds restent mystérieuses. D'accord. Intéressant. Ok, donc du coup, ouais. En fait... Ok, là on n'a jamais été... Alors déjà il y a un truc là, mais là on est déjà été... Il y a trop de trucs de partout. Oh, salut toi. Oui. Autant. Autant qu'il en est nécessaire. Bon, du coup toi, je te vois là. Ok, bon, je sais ce qu'il faut faire, on en a déjà eu un truc comme ça. Salut Steven, sur Resident Evil Revelation. Tu me repères pas, c'est bon. Ok. Tac, 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 tac. Oui, bah nickel. Challenge de terminer. D'accord. Alors, fort intéressant, le petit truc. Je sais... Ah oui, mais c'est pas le mec qui nous donne les... Ah, certainement, hein. C'est certainement le mec qui nous donne ce qu'il faut là à chaque fois en termes de pouvoir de pouvoir de force et tout. Si je dis pas de conneries, attendez. Ouais, à mon avis, c'est certainement ça. Sachant qu'il y a un truc là. Ah, mais c'est un niveau! Ah, mais c'est carrément un niveau quoi! D'accord! Et derrière, il est censé avoir un truc que je ne vois pas. Soit disant, c'est tout là-haut. Ah! Je vois. En fait, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah, bon. Ça va être facile à comprendre. Ok, il y a un autre truc. On se le réserve. Oh, bah on a plein de choix. Non, mais non, je pense qu'on peut. Comment on fait pour monter là-haut, là? Attends. Ah, mais non. Putain, mais vraiment, il faut que j'ouvre mes yeux, quand même. Ok, Y. Ok. Ok, ok. Oh, c'est bâtard. Oh, on l'a eu quand même. Oh putain. C'était chaud. On est tellement haut. C'est abusé, on peut voir tout le décor.
En fait, il y avait un autre défi là, quelque part par là. Donc, c'est lui, non? Oh, par contre, toi, je suis désolé, mon gars, mais tu te casses. Et on s'en va loin. Loin, leave me alone. C'est bon, il va exploser tout seul. C'est bon. Non. Ici, c'est déjà fait. Il y avait pas un truc à côté normalement avec un petit sablier ici, voilà. Donc ça. Alors du coup, à mon avis, c'est un taille. Oui, on peut voir à mon avis que le trajet est déjà tout tracé. Ok. Ça fait ultra village, hein. Oh bah ça va, 40 secondes, sérieusement. Non, ça va. Pas toi. Oh yeah! Et des pièces violettes carrément encore. Ok. D'accord, on débloque encore pas mal de la carte, hein. À mon avis, c'est pour revenir. Les petits points d'XP. Ouais. Ah! D'accord. Squid! Alors, je voulais pas te battre, hein. Je le bats pas, je m'en bats les couilles, honnêtement. Merde, je voulais pas faire ça. Non, je voulais pas faire ça! Faut faire quoi là? Ok, je viens de comprendre ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Ok, c'est la clé d'unité, on s'en bat les couilles. Deux. Je crois qu'il y en avait 5, non? Il y a des pièces de lettres ici aussi. Là-bas. Ah bah non, c'est bon, il y en avait 4. Ah bah dis donc, on les enchaîne les défis aujourd'hui. Putain, on est en train de gérer. D'accord. Alors on va repartir quand même, hein. Je suis désolé, on me la fera pas. Il y avait certainement des trucs ici, c'était absolument logique. Le petit chest. Vas-y. J'ai sur le scan là. Merci. Alors du coup, nous sommes ici. On a un petit truc à faire là. Donc il est où? Ok, en fait il est quelque part par là. Alors là il est en hauteur, hein. Mais très en hauteur, quoi. Ok, donc là-bas, il y a le petit niveau. Comment on fait pour y aller dans le niveau? Comment on fait pour aller là-bas? Ok. Dégage. En fait, je veux savoir comment on fait pour y aller. À part un big saut, mais... Ben, je crois qu'on va peut-être pas avoir le choix, hein. Je pense qu'on va peut-être pas avoir le choix, on va devoir faire peut-être un petit gyro niveau. Attends. T'es qui toi? Ah, j'ai bien dormi. Oh, tu es de retour. As-tu besoin de mes talents? Je peux révéler la puissance ces graines que tu as rassemblées. Ah oui. 26 à 32, putain, de niveau de défense amélioré, niveau de puissance 24 à 26. Que puis-je faire d'autre pour toi? Je suis heureux. Non, c'est bon. Non, merci. Ok. La petite clé.
En fait, je sais pas comment je peux y arriver là-bas. Il y a un truc à faire avec ça. Hein. What? Attendez, je comprends pas. Alors, soit il y en a d'autres que je n'ai pas vu. En fait, il fallait le faire plusieurs fois, d'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Alors, doucement, voilà. Ah, et du coup, après, on peut accéder là. Eh, hey, hé. Et du coup, logiquement. D'accord. Zone très intéressante. Oh, il y a un bouton. Ah d'accord, c'était un petit raccourci en fait. D'accord. Donc là, il y a le truc. Ça, y a ça. Ok. Bon, ben vous savez quoi les amis, on va s'arrêter devant tout ça. Alors, il y a plein de choses à faire dans l'épisode prochain. Déjà, on peut faire course boucle rapide. La compétence déverrouillée s'activeront automatiquement durant les combos, mais les dégâts seront réduits après avoir déverrouillé une compétence active, désactive le combo. Non, on va plutôt faire ça. Course boucle rapide, maintien X pendant un combo. Effectue une course boucle rapide autour des ennemis quand la jauge de course boucle est au max. Elle devient bleue, la jauge se remplit à chaque attaque réussie et peut être utilisée tant qu'elle reste bleue. Ok. Ça va? En fait, j'ai pas compris. Un. Deux. En fait, je comprends pas comment on peut y arriver. Ah non, d'accord, je viens de comprendre. Hé, hey, voilà. Pendant un combo. Eh oui, faut lire un peu. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La fois prochaine, on ira tout simplement activer cette grande stèle dans laquelle il y a encore quelques petits trucs à faire. On peut voir que c'est quand même assez what the fuck. Hein. Ça a l'air d'être un niveau. Bah, c'est un niveau tout simplement. Donc, on fera tout ça là dans l'épisode prochain. On ira également en même temps débloquer elle. Là, vu qu'il nécessite encore zéro cœur, enfin, pour le moment. Et sachant qu'en plus, oh là là, vous pouvez voir qu'on doit aller. C'est what are you doing? Hein. C'est un peu n'importe quoi. Mais ouais, donc écoutez, hein, en termes de la carte, on a débloqué déjà énormément de choses. Je suis même très très content, honnêtement. Voilà, petit à petit, hein, on arrive à développer quelque chose. Sachant qu'en plus, on a encore pas mal de la carte, à mon avis. Hein, si on peut zoomer, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, au moins, ça permet au moins d'aller jusqu'à là-bas. Sachant qu'on peut voir qu'il y a Amy là, il y a un Amy là également, on dirait. Il y a des filles encore. Dont un qui est comme ça, je sais pas c'est quoi, mais un défi qui est comme ça. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve du coup à l'épisode prochain. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!